tu me laisserais un petit commentaire sur le mur de mon Facebook. C'est Facebook. Comme Facebook, Rebook, Malbook. Y'a que des cassos comme toi sur Facebook. Quoi? Bah y'a que des cas sociaux. Bah c'est normal. Quoi? Bah c'est un réseau social. Non, je lis. Je lis parce que j'ai pas envie de mourir con. Bah tu sais quoi, Steve? Arrange-toi pour pas mourir. T'es à la menthe ou t'es citron? Mais au citron, Victor, vous savez bien que je le monte en horreur. Et pour vous? T'es à la menthe ou t'es citron, c'est du théâtre dans le théâtre. Vous allez assister à une répétition et ensuite à la représentation qui sera bien sûr catastrophique. Et pour vous? Comment? Une verveine. Dans cette pièce, le spectateur, à la deuxième partie, va jouer son propre rôle. C'est-à-dire qu'il va jouer le rôle du spectateur. Dans la première partie, il est complice, parce qu'il assiste à la répétition, ce qu'on ne voit jamais. Faites-le à la Robert Mitchum dans Danger pour un tueur, tu vois. Ah oui. Oh, moi, je plais. Et on a pas plus de ça pour de. Et dans la deuxième partie, d'un seul coup, il devient spectateur de la pièce, de ce qu'il connaît déjà. Je vais le refaire, Richard. La menace, ça va, merci. Enfin bon, bref, c'est vraiment, c'est une pièce familiale, on peut venir vraiment à plusieurs, on se régale. Mon cœur brûle. À nous deux, Madame de Vignac. Ah, alors là, on comprend tout de suite qu'il est fou. Non, 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 il fait ça, lui. Petite, mais gaulée. Chaud, mais pas mal. Jolie main. Joli sein. Arrête de sourire, il va te prendre pour une quiche. Pourquoi on se complique la vie? Ce serait tellement plus simple de dire « vous me plaisez, on va baiser ». Pourquoi il m'adresse pas la parole? Il attend que l'ascenseur tombe en panne. Oh non, merde, pas le coup de la panne. Oh non, merde, je suis claustro.